Bonjour à tous et à toutes. Cette petite vidéo pour vous présenter un e-book qui va vous parler de la nourriture, la nutrition animale, plus particulièrement de nos fidèles compagnons, les chiens. Et oui, depuis quelques décennies, nous avons remarqué que les chiens avaient les mêmes symptômes de maladie que celui de l'humain. Évidemment, ils ont partagé leurs aliments et cela n'est réellement pas bien. Alors vous posez peut-être la question, est-ce que je dois faire moi-même les repas de mon fidèle compagnon? Est-ce que je dois plutôt opter sur des croquettes ou sur de la pâtée? Ah, ça, c'est des bonnes questions. C'est pour ça que dans cet e-book que je vous présente, cette professionnelle de l'alimentation et du dressage canin va pouvoir vous donner tous les conseils possibles et imaginables. Car au cours de sa vie, le chien, qu'il soit chiot, tout au début, n'a pas besoin de la même alimentation qu'adulte et vice-versa. Et quand il vieillit, évidemment, il lui faut, comme nous, une alimentation adéquate. C'est pour ça que je vous présente cet e-book où vous allez pouvoir trouver le lien pour pouvoir en lire plus et l'acheter si vous voulez. Alors, je n'ai pas encore tous les codes et les réflexes quand j'enregistre mes vidéos. Je sais qu'il y a un petit lien qui doit se trouver en bas à droite pour que vous puissiez vous abonner et n'oubliez pas de enclencher la petite cloche pour que vous puissiez être prévenu quand je fais une nouvelle vidéo. Voilà, cette vidéo va s'achever. Vous voyez en fond d'écran ces braves toutous. C'est vraiment super. J'ai voulu mettre une photo de mon fidèle Caramel, Caramelus pour les intimes. Il a craint de m'en regarder, là, il va dire, enfin, qu'est-ce qu'il fait? Mais je n'ai pas réussi à l'insérer dans la vidéo, car je suis novice et je cherche à m'améliorer de jour en jour. Je vais donc vous laisser. Bon visionnage et surtout, je suis heureux de partager ces connaissances sur l'alimentation animale canin. Merci, au revoir et à plus tard.